Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang et de Farinum pour un nouvel épisode de 3ème, 4ème, je sais même plus. Du 4, quoi. Ouais, 4ème de Satisfactory. Bonjour hein, Farinum. Ouais, bonjour Knarfang. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Merci pour le disque dur, bon. Monsieur. Et de rien. Ah, alors, voilà, dans les recherches que nous avons actuellement, on peut. Écoute bien. Ça peut être intéressant. Ça peut être 4 lingots de cuivre et 1 lingot de catérium pour faire 30 bobines de cuivre. Ouais, à un taux de production de 90 par minute. Il faut tu disais, le catérium ne sert à rien, tu vois, c'est très intéressant. Bon, pour l'instant, de toute façon, on peut pas tout à fait le faire. Après, dans les autres choses, on a le béton. Donc 3 silices. La silice, tu l'obtiens avec le quartz. Genre, c'est 3 quartz pour 5 silices. Ou 1 quartz pour 5 silices, je sais plus. Et 12, je suppose que c'est du calcaire. Ouais, 12 calcaire pour faire 10 bétons à une vitesse de 25 par minute. Pas très intéressant. Par contre, un truc qui est très très intéressant et que je pense que c'est ce qu'on va prendre tout de suite, sauf si tu me dis le contraire, c'est 5 lingots de fer pour faire 20 vis, 50 par minute. Plus besoin de faire des tiges, on passe de fonderie à vis direct. Oui, ce serait très intéressant. Voilà, à taux de 50 par minute. Hein. Je pense qu'on a des arguments là, qui sont acceptés et acceptables. J'ai relancé le disque dur suivant du coup. Bon, du coup, je trouve pas le truc dont tu m'as parlé. Dans le désert? Mais en fait, c'est dans les montagnes plutôt, non? Non, c'est dans le désert, c'est genre là-bas. Genre par là-bas. Intéressant. C'est dans le désert, genre plus là où je ping, je crois. C'est dans les dunes, c'est vraiment dans les dunes et c'est dans le creux d'une dune. Ok, je retourne les branches. Je partirai pas sans l'avoir trouvé. Et il y a des cadres modulaires à récupérer. Des cadres modulaires dont maintenant on va commencer à avoir besoin. Je peux choisir donc un jalon. Je vais choisir encore un jalon basique puisqu'on fabrique pas encore de rotor. Et je crois pas qu'on fabrique encore de plaques renforcées. Il va falloir commencer à s'y intéresser. Oui, mais est-ce qu'on a les assembleuses? Oui, je nous ai débloqué les assembleuses. Bien sûr, monsieur. Ok, bon bah alors je te fais ça juste après. Voilà. J'ai complété tout ce que je pouvais compléter. Il manque des tiges et des plaques. Et un peu de béton. Ramène ça. Béton, je vais aller chercher tout de suite. T'embête pas. Tiges et plaques, tu me ramènes ça dès que t'as un moment. Ok, je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé? N'oublie pas, autour il y a des cadres modulaires à récupérer que j'ai pas ramassé. Des cadres modulaires autour. Ok. Oh, ah oui, là-bas. Genre, il y en a une bonne trentaine. Ce qui est quand même pas rien. D'ici, un peu de vis, des rotors. Ouais, ouais, prends tout. Ah ouais, prends. Prends tout, hein, ça peut nous débloquer. Ah oui, 800 vis. J'ai 800 vis sur moi. D'accord. Voilà. Ah bah, si t'as 800 vis, je veux bien que tu me les ramènes quand tu veux. Hein, parce que moi, des technologies qui vont nous bouffer 800 vis d'un coup, j'ai. Hein. Attends, je vais mourir. Ah, mais ça se complète avec des rotors. Ah. Bah, complète avec des rotors, si tu les as. Ben non. Non parce qu'en fait c'est des moteurs que j'ai, pas des rotors. Ah. Dommage. Et je suis pas sûr que ça se craft à la main. Si, ça peut se faire à la main, mais je crois pas qu'on ait encore la technologie qui nous donne les rotors. On n'a pas encore les rotors. Dommage. Bon ben, je viendrai les bloquer plus tard. Du coup, un truc que t'as oublié de me donner aussi, c'était ton souffle. C'est pas grave. Je l'ai posé dans le coffre. Ah ok, nice. Excellent. Non, ça se fait qu'on n'a pas encore débloqué les rotors. Incroyable. Bah, parce qu'il faut des plaques. Et vu qu'on fait pas encore de plaques, en fait, pour avoir le rotor. C'est où le rotor? Ah si, on peut faire des rotors. J'ai rien dit. On peut faire des rotors. Bon bah. J'ai pas vu dans mes coups. Alors, où c'était? Ah si, ok, il est tout en bas. Des vis et des... Mais il me faut des tiges. C'est vis et tiges si jamais tu veux coller une assembleuse.
Paf, paf. Mais il faut que tu me ramènes 69 tiges. Ben, je vous rappelle. Déjà, pour compléter le jalon. Tant qu'à faire. J'ai déjà posé ça. Ça. Ah, on n'a plus de place. Non, mais donne-moi les biomasses. Hein, là, il y a besoin de recharger en biomasse, là, déjà. Ah, bah, tu sais quoi, donne-moi de toute façon les biomasses tout court. Je vais faire du carburant solide. Il y a de la solide. Ouais, je vais faire du solide. Je craft ça à la main, tranquille, je vais faire du solide. Mais il y en a déjà 150 dans le coffre. Oui, c'est pas grave. Puisque je vais remplacer tout ce qu'il y a dans les brûleurs actuels. Je t'en ai remis 200 derrière toi, classique. Ah, par terre. Ok. Ouais. Yes, j'ai. Ah, attends, c'est parti. Ah, ouais. Ça me semblait, j'ai reçu un message. Quel homme prisé que je suis. Incroyable. Ah, j'ai quelques tiges en fait. Ouais, mais j'ai que 27 tiges. J'ai pas assez de tiges. Je vais quand même assembler mon cube à le faire. Ok. Alors. Le fait de faire des vis directement à partir des lingots, mais c'était mon avis. Alors non, c'est pas ça qu'il nous faut, c'est pas ça non plus qu'il nous faut. Elles sont optimisées tes machines actuellement ou pas? C'est-à-dire genre les foros fort pas au max? Parce que normalement t'as pas besoin de forer au max pour... du moins pour le faire actuellement, je crois que t'as pas besoin de forer au max. Oh, je la laisse forer au max, ça change pas grand chose. Bah si, ça économise du courant. On peut, ça, en fait, ça, là actuellement, si tu veux, ça peut nous permettre, si tu les optimises, à moins que tu poses les plaques de fer renforcées. Et on peut pas. Et ça semble pour les plaques de fer renforcées, je peux débrancher un brûleur. On peut pas encore le faire. On peut pas encore modifier en dessous. Pardon? Ah bah. Je viens de vouloir le faire et on peut pas. Tu peux pas réduire? Non. La blague. Du coup, non, on va pas économiser de l'électricité tout de suite. Normalement, si. C'est pas normal ça. Ou alors, c'est avec la surcadence qu'on peut modifier. Dans ces cas-là, je vais faire la technologie en urgence. Hein. Il faut le. Oui, c'est là, il faut le truc de surcadençage. C'est qui est parti en carburant solide. Oh, mais attends. J'avais dit combien de rotors? 10, hein, on est d'accord? Ouais, je crois que tu m'as dit ça, 10, ouais. Et je l'ai crafté. Ouais, ça se fait, hein, ça se fait complètement. Mais n'oublie pas qu'il faut quand même 69 tiges pour boucler le. Ah, oui, je sais, je peux te les faire aussi. Je fais tout ça, mais j'ai fait une production de tiges juste après parce que. Ok, ça marche. J'ai l'impression que c'est quand même ce qui nous manque depuis tantôt. Bah en fait tu fais juste ta nouvelle production de vis, c'est tout. T'as pas besoin de refaire des tiges puisqu'en fait t'as juste besoin de brancher au lieu de brancher tes tiges vis, t'as plus qu'à brancher maintenant directement sur une fonderie. Ouais, t'as raison. Du coup tu peux garder. T'as juste à rajouter une fonderie et mettre du switch quoi. Du switch. J'ai transformé les carapaces en biomasse, hein, en ZEF, les plans. Oh, c'est ce que j'avais fait tantôt. J'avais pas tout transformé au cas où tu voulais encore. Non, mais bon, on en a 20 encore et quelques de côté, donc on est pas dans l'urgence et je sais où je peux trouver des bestioles. Ah! Ah! Ça vient de sauter là, je crois, non? Ah oui, là par contre. Vague impression. Alors. Ah, plus de biomasse dans une machine. Ça va arriver, je fais du biocarburant. Oh, attends, tu sais quoi, je vais te mettre tout de suite du biocarburant. Lequel est naze? C'est celui-là, ok. Je vais te mettre tac. Voilà, c'est reparti, tu peux relancer. Ouais, ok. Ouais, c'est bon. Voilà. De toute façon, je suis en train de tout te transformer en biocarburant solide. Hein. Pas le temps. Tu veux un éclat de... Ah, mais non, on peut pas encore s'en servir des éclats de charge. Boum! Milestone lancé. Putain, given... GG. Alors, par là-bas, il y avait la. Pareil.
Je pourrais virer tout le capteur qui reste. Qu'est-ce que je fais par ici? Par là, là. On va voir ici. Bon, allez. C'est bien fou. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est juste derrière ça. Allez. Allez, retour de la capsule dans 5 minutes, ok. Là-dedans, c'est fini, toujours pas, 1024. Je retrouve pas le truc que je devais réparer. Je veux que je te refasse un ping dans le désert éventuellement. Non, bon, ça va, je suis dedans, je cherche un peu. Je monte les dunes. Je sautille. Pareil, je trouve ça dommage qu'on ait pas un appareil qui puisse se permettre de ping non pas les gisements mais les dépôts aussi. Bah il y a les balises en fait, si tu gardes tout le temps les balises sur toi tu peux toutes les... Ouais mais bon, baliser des petits dépôts de 20 ou 30 ressources si tu veux c'est un peu bon. C'est un peu couillon quoi, oui. C'est un peu du gaspillage. Je veux bien que tu me refasses un ping. Ouais, je refais ça tout de suite. En fait parce que là... Échelle. Où est l'échelle? C'est genre par là. Merde, par là. La flûte. Oh. Je crois. Un peu trop loin. Ah, t'es pas du bon côté en fait, du tout. Donc on disait biocarburant. Base biocarburant. Non, il y a une limace mauve là, mais il est pile poil dans le gaz. Ouais, elle est sous le. De toute façon, on va bientôt passer à la poudre. Alors, monsieur, les offres. Les offres que je te fais. Et là, ça devient très intéressant. Un lagot de caterium pour 8 bobines. 120 par minute. Là, ça devient très intéressant. Un lagot de caterium pour... Pour 8 bobines et à une production de 120 par minute. C'est-à-dire que tu en produis 2 par seconde. Enfin, t'en produis, excuse-moi, 16 par seconde. Ah non parce que c'est alors je sais pas si cut la... si c'est le nombre de sorties ou si c'est le nombre de bobines entières par minute. Ah bonne question. Mais je pense que c'est 16 par 16 par seconde en gros. C'était par là. C'est 16 par seconde. Ouais. Soit ça, soit ah un autre truc. Oh très intéressant ça aussi. Les rotors. Les rotors, on peut les fabriquer maintenant juste avec des vis et des structures, tu sais, des... ça porte un nom, je te retrouve ça tout de suite. Cadre modulaire ? Non, pas cadre modulaire, normalement là, avec des tôles de cuivre. Les tôles de cuivre se font avec 2 lingots de cuivre. Ouais, je... Voilà. Oh, ah, ça, c'est intéressant. Par contre, 52 vis, hein, quand même. Mais par contre, ça te permet d'obtenir 3 rotors à la vitesse de 11,25 par minute. Ce qui est ultra vénère. Et le dernier c'est la silice bon marché, c'est du quartz plus du calcaire pour faire 7, mais je pense pas que ce soit urgent. Donc soit t'as une mine de caterium à proximité et ça t'intéresse de sortir du fil pas cher et rapide, soit on part sur du rotor en cuivre. Oh, je crois que c'est du rotor en cuivre. Ah, on part sur du rotor en cuivre. Allez hop. Ça tu peux le faire dès maintenant en fait, hein. Tu peux industrialiser de ouf tes rotors en cuivre dès maintenant. Mais est-ce que c'est bien par là? Ouais, enfin un peu plus par là. Hein. Mais un peu plus dans cette direction là, je crois. Hein. Mais incroyable. À ce moment là que ce mec il galère, c'est ouf. Mais il a disparu, je crois. Il s'est fait manger par un monstre. Impossible. Diablo l'a tout mangé. Non, impossible. Pas d'autre. Putain, il me faut de tout, mec, pour faire des pour continuer les recherches. Hein. Ça va. J'ouvre ce foutu truc et... Carrément. Ce foutu truc. Incroyable. Ah, il est en train de revenir. Très bien. Allez, allez, allez. Du coup, tremplin, logistique oui. V2. Oh non, il y a Diablo. Milestone exchange concluded. Je vais te laisser choisir ce que tu préfères. Soit on sort les tremplins et qu'ils vont nous demander des rotors qu'on produit pas encore.
Soit on part sur du convoyeur V2 avec les pylônes de convoyeur et les convoyeurs verticaux 2 avec des plaques de fer renforcées que tu ne produis pas encore, je crois, mais voilà. Je vais bientôt les produire. D'accord, donc c'est parti. En fait, en rentrant, je fais ça. Ok, c'est parti, t'as le jalon qui est affiché en haut. Ok. Voilà. Moi je fais masse biomasse. Ah, je vais mourir. C'est dommage. Ne me batte pas. Un combat à mort. Rien d'autre. On verra qui gagne. Mais j'ai mes 50 soufres, je les ai toujours petisés, j'ai mes 50 poudres noires là. Faut que je fasse la recherche dessus. En fait là j'ai masse recherche à faire et le problème c'est que la recherche met du temps du coup. Ouais, bah je te ramène un disque dur, ça va encore prendre 10 minutes. Ouais, bah j'y passerai après le reste, hein. Du coup, mais ouais, ramène-le quand même. Alors si seulement il peut nous permettre de faire des plaques de fer renforcées avec de la biomasse, je trouverais ça génial. Mais on n'a pas assez de biomasse, non mais un lingot de fer et une plaque renforcée, ça serait vraiment bien. Pas assez de biomasse, non. Franchement, franchement, à long terme, d'accord, mais là, à court terme, on peut sortir mais des plaques de fer renforcées gratos, quoi. Mais tu peux pas l'industrialiser. Bon, je vais taper ça dans le coffre, mais il y a plus de place dans le coffre. Non, pose par terre, je le récupère. Ouais. Vas-y. Et ça, là. Mais si, ça, il y avait de la place dedans. Aussi. Possible. Ça, il y avait la place dedans aussi. Ok. Je te dis que dur qu'il n'y avait pas de place. Alors, donc du coup, je refais la production de vis. Je fais une production de tige en supprimant celle de vis. Et je refais une production de plaques de fer avec une assembleuse. Parfait. Et tu peux faire du rotor protor stator. Ah oui, d'ailleurs, sur le cuivre, du coup, il faut que tu rajoutes la production de. Le tôle. Ouais. Depuis les lingots. Il faut que tu fasses les trucs renforcés là. J'ai pas le nom. J'avais le nom. La tôle de cuivre. Tôle de cuivre. Ouais, et à la sortie tôle de cuivre, donc tu peux faire des rotor protor stator avec des vis. Alors, pareil, alors. Je vais aller compléter. Ah, les convoyeur de là à là. Tac, je complète là. Normalement. Marchandise, prends-en 200 dans le bec. C'est une assembleuse. C'est un constructeur dont j'ai besoin. Pas des vis. Assembleur normalement. Dès que tu dois mettre de ressources, c'est assembleur. Ouais, mais justement, on a les vis alternatives. Du coup, on a plus besoin d'assembleur. Ah oui, 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 oui. Ah bah là, oui, c'est cadeau. Là. Ah, c'est le constructeur. Ah, c'est méga cadeau. Hein. C'est tellement rentable. Mais pareil, hein, si jamais, parce que là je vois que ça te chauffe pas trop, mais en vrai mec, la bobine de cuir remplacée par du caterium, c'est tellement rentable mec. Oui, mais c'est à l'autre bout du monde le caterium. Et l'autre bout du monde, 3-4 dalles de béton, ils ont dit hier. Hein. Une petite autoroute en béton. Ouais, mais d'ailleurs je trouve ça dommage dans le jeu, pareil. Tu poses des dalles de béton qui sont pas en béton. Ils sont en métal. M'a toujours pas fait moi mon autoroute en béton hein. Je sais. Mais parce que je suis occupé à faire de la recherche, je pense que ça t'intéresse aussi. Oui. Voilà, c'est pour ça. Alors, par contre ça c'est chiant. Mets-moi ça là, tac. Mets-moi d'abord les stacks. Je vais récupérer toutes ces vis. Alors, ça c'est des vis. Ça va me faire des vis normalement. D'accord. C'est des vis presque. Lol. Ah oui mais je l'ai pas alimenté. Ah ça c'est dommage. Mais bon, Caterium, ouais, faut essayer d'en trouver quand même encore. Pour que moi je puisse te débloquer le V2. La poutrelle V2. Paf. Et plein d'autres choses. Paf, je peux débloquer plein d'autres choses. Alors, comment. Il me semble que des plaques après, de fer. On peut se faire sur Caterium, hein, en vrai. On peut se dire, vas-y, on lâche la prod, on laisse les trucs produire pendant ce temps-là tranquille. Et on va se faire une petite explo pour aller trouver le Caterium. Ah, il faut des rotors pour faire ça. Oui, on peut. Par contre, ce qui me gêne, c'est qu'on a qu'une seule recette de rotor. Je devrais en avoir deux dans mon inventaire. C'est peut-être dans les machines. Ah, c'est peut-être exclusif aux machines. Parce que je crois pas avoir deux trucs de vis.
Ouais, j'ai pas de trucs de vis dans l'inventaire, mais par contre dans les machines j'avais. Ah, attends. Qu'est-ce que je fais? Oui. Ah, du coup on aura. Il en faut combien? Oui, dans les machines il y a le craft alternatif. Ok. Ouais, c'est ça aussi. Exclusif aux machines. Avant tu pouvais les faire là-bas. Il en faut 60 par minute et toi t'en sors combien? T'en sors que 12,5 par minute. Mais oh, par ouais. 8. Pas par 1, par 8. C'est pas 12,5, c'est en fait ce qui compte c'est les sorties et pas le nombre. Oui, oui mais ça en sort ça en sort 50 par minute, je suis trop con. Du coup, ouais, c'est ça en fait. C'est le nombre. Oui, mais de... ça en demande quand même 60. Du coup, il y a un rap de 10. Enfin, faut voir, fais ton calcul de ton côté, mais je crois que c'est ultra rentable. Bah non, en fait il nous manquera 10 pour que ce soit totalement automatisé. 10 quoi? 10 vis par minute. Mais tu peux pas produire 10 vis de plus, enfin tu peux pas produire plus de vis. Ah bah il faudrait que je booste la machine. Alors, booster la machine, ça peut se faire. J'arrive, je vais voir ça. Tac, analyse terminée. On pourrait New object, c'est 3 secondes, allez, je prends 3 secondes allez. Juste pour débloquer. Ça en demande 30 noire. Par minute. Et toi, t'en sors combien par minute? Alors, et pareil pour les. Oh, ouais, c'est pareil pour les plaques de fer en fait. Ça en sort 20 par minute et ça en demande 30. Donc laisse tomber. Donc là, les explosifs, ok. De toute façon, c'est des technologies qu'on n'a pas. Technologies qu'on n'a pas. Et la carte un peu long. Qu'on n'a pas pour l'instant. Ok, ça c'est mort. Electrominima, ce qu'il te faut toi c'est la surcadence. Il me faut 50 plaques et 50 vis et je te sors ça tout de suite. Oui mais t'inquiète pas pour le moment en fait. Parce qu'il faudra aussi surcadencer les plaques et alors ça voudra dire qu'il faudra surcadencer derrière et puis après c'est pas. Faire les rotors. Oh non, pas comme ça Zinedine. Sinon, non pour les plaques de fer renforcées. Ah pour les plaques de... Ah oui d'accord, on parle pas du même truc. Sinon... franchement voilà. Hein. Alors attends. Tu fais une sauvegarde s'il te plaît? Oui je peux faire une sauvegarde. Je crois que je vais être déco. Je vais aller vérifier vite fait si je suis déco. Non je suis pas déco. Okay. Sauvegarder. Confirmer. Okay, je suis pas déco. Ouais. Ah bon, il va falloir que je devienne de plus en plus original hein, parce que... De plus en plus quoi? Original. Parce que en fait je donne un nom différent à chaque sauvegarde pour pouvoir bien les retrouver. Oh tu peux juste écraser la précédente hein. Mais en fait ça écrit. Hein, en gros ça, ça fait 4 sauvegardes du coup. Mais oui, il y a un moment où j'ai juste écrasé. Même là hein, tu peux juste voilà. Écraser en vrai. Bah avec 2 sauvegardes t'es large quoi. Parce que t'as la sauvegarde automatique aussi. En vrai, t'es large. Alors, est-ce que ça passe? Parfait. On est d'accord qu'il nous reste un peu de biomasse, hein, qui traîne. Pas grand chose. Mais oui. Oui, mais il en reste 157 ici, c'est parfait, comme il faut. Hein. Non, mais de toute façon, 157 de masse solide. Je vais faire de la. Je vais faire du carburant solide. Du biocarburant solide. Ouais, mais il en restait 157 de solide qui traînait. Hein? Ouais, dans le coffre. C'est celle que j'avais posée tantôt. Ah oui, c'est toujours, effectivement. Qu'est-ce que c'est ça? Hop là, c'est reparti. Toutes les machines refonctionnent. Faut pas que je te laisse te promener, c'est qu'il faut que j'aille me promener à ta place. Tiens, regarde du catharium là. Regarde du catharium. Moi je me promène juste chercher les disques durs, hein. Après non, je mais c'est toi qui t'es baladé dans le dans l'espèce de zone là marécageuse avec. Tu voulais pas récupérer des trucs parce qu'il y avait des machins et des bidules. C'est vachement clair ce que je dis, hein. Mais voilà. Moi j'ai pas tout compris. C'est étonnant. Non, vraiment, c'est étonnant, hein. C'est étonnant parce que tout le monde a compris. Franchement, j'étais à fond pour la compréhension, hein. J'ai vraiment tout donné. Mais... j'ai vraiment grillé tous mes neurones disponibles. Et même ceux qui ne l'étaient pas, j'ai ravivé des neurones et j'ai rien bité. Dommage.
Dommage, dommage. Alors. Mais ouais, juste à côté de chez nous, en fait, il y a quelques petits gisements que t'as pas fait, il y a quelques merdouilles juste à côté du lac, enfin de l'oasis, si je puis dire, que je viens de nous récupérer. Hein? J'ai oublié de faire ça. Vite. Oh, il manque des plaques de fer. Dommage. Allez, du lingot de Caterium. Il reste du Caterium brut là-dedans. Non. Parfait. Dommage. Ça, je vais cracher moi ces plaques. Crache moi ça. Ah, carrément. Crache moi toutes ces plaques. Parfait, parfait, parfait. Parfait, parfait. Actuellement parfait. Parfait. Tu dis parfait ou comment ça se passe? Bah ça se passe. Hein. On est sur une perfection parfaite. Ouais vraiment. Ah ouais. Hop. Boum. On pourrait presque boom. Se permettre de dire c'est ok tiers. C'est plus ou moins ça, c'est ok tiers. Ok. Tôle de cuivre, paf. De la tôle de cuivre, on peut faire les retours avec l'assembleuse. Ouais, oh, le super broyeur, ça c'est vraiment marrant. Après, tu peux acheter une petite voiture. Petite tuture. Ouais, il va nous le falloir, hein, parce que moi, si je peux faire des bulles de béton légèrement différents, vraiment des trucs jolis, je peux faire des trucs jolis. Parce que, effectivement, c'est vrai que dans ce jeu, au départ, t'essayes de faire de la merde le plus vite possible pour avoir de manière pratique toutes les ressources dont t'as besoin. Mais bon, au bout d'un moment, quand tu t'emmerdes, soit tu changes de carte, soit tu commences à faire un super dépôt, quoi. Et quand je vais te proposer le projet du super dépôt, je pense que ça va t'intéresser énormément. Je te fais confiance, hein. Tu as tort. Tu as tort de faire confiance à ton MJ préféré. Peut-être. En vrai, peut-être, mais bon. D'ailleurs, t'as jamais tâté d'autres MJ? Parlons JDR. Du coup, ouais, je suis non. Ton premier maître de jeu et ton dernier maître de jeu, actuellement. Pour le moment, oui, clairement. Yes, okay. Bah, tant que je me marre bien avec toi, t'as pas pourquoi changer, ouais. En fait. Et d'ailleurs, pour ce qui est de tes potes, c'est vraiment la c'est vraiment ma façon de jouer ou c'est le jeu en général qui leur a cassé les couilles? Alors. Grande question. J'en sais rien. Exactement, j'en sais rien. Ah, ça peut être intéressant dans des briefs. Mais il y en a un, je sais en fait. Il y en a un, je sais pourquoi il a arrêté. C'est parce que. Non, c'est Valentin. Il m'a dit. Oui. Bah, déjà, il a des cours tous les jours. Donc, ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai pour mais le lui, coup. Ça a été tout Arthur, de suite. Ouais. On l'a su tout de suite. Ouais. Arthur, ouais. C'est pas sûr pour les cours, mais bon, c'est pas. Mais lui, c'est ce qui lui déplaisait aussi, c'était le fait qu'il n'y avait pas de truc visuel. En fait. Il s'est roulé, tu vois, lui il a pas joué sur Tablet Text Simulator. Ah ouais. Oui c'est ça, le problème c'est qu'il est pas resté Il est pas resté. Il l'a pas accepté d'ailleurs parce que je lui ai offert et il me l'a rendu. Mais ouais de toute façon ça c'est le premier en réalité c'est le premier vrai blocage sur le jeu de rôle, c'est que le vrai jeu de rôle se fait sans aucun visuel. Sans aucun visuel, à part éventuellement des cartes que tu mets pour les gens à disposition. Mais sinon, en général, ça se fait vraiment. Même IRL, de base, ça se fait. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on fait des trucs, je dirais, plus mainstream. Alors, je vais être dur en disant ça. C'est dur de dire plus mainstream parce que je trouve que c'est pas non plus très mainstream. C'est vrai, un reproche qu'on pourrait faire au jeu de rôle moderne d'aujourd'hui, voilà, un reproche que je pourrais faire. C'est que le jeu de rôle était considéré comme étant élitiste et à raison, puisque en réalité, moi je pensais que s'il était simple pour tout le monde d'imaginer les choses et de comprendre les choses, mais en vrai, c'est une vraie barrière. L'imagination est une vraie barrière. Et donc, ouais. Et aujourd'hui, le rapport visuel en fait permet de faire tomber cette barrière. Je trouve ça un peu dommage parce que te ferme vraiment beaucoup de portes quand tu te limites à juste des éléments visuels. Voilà. Ouais. Et donc voilà, et lui c'est ça qui lui a déplu. Moi ça va, ça me déplaisait pas. Je relais 2D, j'imaginais dans ma tête le troll. Enfin, voilà. Et pour le deuxième, ouais, je suis pas sûr. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit pour ça.
c'est le fait que il soit mort. Enfin, ouais, on ait perdu le dernier jeu de rôle sans savoir trop pourquoi. Paf. En fait, je peux comprendre que ça mette un bloc. Ça, je comprends totalement que ça mette un bloc. Je l'en veux pas pour ça. C'est pas. Mais je crois. Hein. Après, c'est une croyance personnelle. Je sais même pas si c'est vrai. En sachant que c'est dommage parce qu'en réalité, lui, son personnage a fait quelque chose de très important et qui va avoir de l'importance même là où vous jouez en fait. Quand survivant ou. Un de ses personnages a fait quelque chose de très important. Ok. Et ça aura de l'impact là où vous jouez actuellement. Ok. Bah voilà. Et donc, ce, lui, je crois que c'est le fait que toi tu as le fait d'être mort sans trop de raisons. Enfin, en gros, Larg est mort et on sait pas. On n'était pas là le jour où il a perdu quoi. Et je crois que c'est ça qui lui a saoulé. Vu que moi j'aime bien rationaliser les choses, je lui ai dit bah il doit avoir une raison, il faut juste. Il avait dit quoi, si on avait pas le bon jeu, il allait relancer et plein de trucs. C'était chaud en fait, c'était vraiment ultra chaud quoi. Et il était pas du même avis, je crois, enfin. De ce que j'en ai interprété. En fait, le problème c'est que si tu veux, moi j'allais faire bouger les méchants. Et à partir du moment où je faisais bouger les méchants, c'était perdu. Vous aviez pas les bons personnages pour avoir une réponse à ça. Il y avait déjà trop d'erreurs commises et trop de choses qui s'étaient passées. Trop compliqué en fait. C'était trop compliqué de vous dire. J'aurais pu continuer à vous faire jouer, hein, mais ça aurait été vraiment trop compliqué de vous dire bon bah allez-y, hein, maintenant gagnez le jeu alors que ça a l'air complètement perdu quoi. J'avais trop peur de vous dégoûter tout de suite et je me suis dit ouais non en fait vous venez de créer vos persos, tant pis, il vaut mieux arrêter maintenant. Que de vous amener dans le mur en fait. Ouais, et donc voilà. Plus ou moins ce que je lui avais dit, parce que tu nous avais dit que ça dépendrait du prochain groupe JDR, et je lui ai dit ça, que tu nous as dit ça. Ouais. Et je crois qu'il était pas du même avis, il était là, bah, on m'a pas expliqué, ça m'énerve. Après, il l'a pas demandé. Ah non, bah clairement, mais c'est pour ça. Je veux bien lui expliquer quand il veut, mais c'est pas le problème. Et alors, quand il dit qu'il reviendra, pas sûr. Ça fait partie d'une des choses pas sans plainte qui traîne quelque part. T'as pas sans sinon, plaque. Moi je me barre. Sans plaque, je suis large. Largement. Yes. Je veux bien sans plaque. Ah, attends, on a du cadre modulaire. Je peux peut-être réaliser ton rêve. Et donc, ouais, moi je me barre bien avec toi. Du coup, pas envie de changer. Dans 5 minutes, ton rêve est réalisé. Une question que j'aimerais te poser, c'est ni l'endroit, ni l'espace, ni le temps, mais sur Comme d'habitude Gaming, les gens sont habitués aux questions d'emmerdement maximal. Vas-y. Hein. Devenir maître de jeu, est-ce que ça t'intéresse ou pas du tout? Ben en fait, tu sais quoi, bah, j'y ai réfléchi, vu que t'en as déjà parlé plusieurs fois. Mais bah déjà, il faudrait que je crée tout. De l'or, etc. Je sais pas si je suis calé pour ça, premièrement. Deuxièmement, en fait, non, c'est plutôt je me mets des barrières à moi-même, je crois. Je crois que c'est plutôt ça. Genre, ça m'intéresserait, mais je me mets des barrières à moi-même. Parce qu'en plus, il faut créer ses règles, etc. Donc, et c'est juste ça qui me fait un peu peur, mais sinon, oui, ça m'intéresserait. Ok. Alors, ça t'intéresse. On fera pour la chaîne d'ailleurs, comme ça vous l'aurez, comme ça vous n'aurez pas tout à fait écouté une discussion qui sert à rien. On fera un petit OGM. Et tu verras, ça se passe bien. Ça se passera okay. Bien. Et tu verras qu'en vérité, le jeu de rôle à prendre en termes de maître de jeu est très très simple au début. Hein. Moi je me rappelle avoir dû masteriser sur du Donjons et Dragons un truc à 3 bouquins en ayant avec moi 0 bouquin. Et deuxième session, j'avais juste le bouquin du joueur. C'était bien. C'est-à-dire juste le bouquin pour augmenter les gens. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que la première fois que j'ai dû masteriser sur du Donjons et Dragons, j'ai dû littéralement dû apprendre à tricher avec mes dés. D'ailleurs, j'étais littéralement le genre de maître de jeu qui passait son temps à lancer des dés en boucle
tout le temps, pour tout, pour rien. Et en fait, c'était les dés qui donnaient mes décisions, plus ou moins. Genre, s'ils avaient deux ou trois idées, c'était les dés qui me donnaient mes décisions. Et les méchants, s'ils touchaient ou s'ils touchaient pas, bah c'était littéralement plus ou moins ma convenance. Parce que j'avais rien, genre je mettais des orques sur la route, je sais pas ce qu'ils valaient les orques, j'avais pas de stats pour mes orques, j'avais rien. J'avais aucune idée de ce que ça valait, quoi. Et t'en fous, et ça a marché en fait. Juste ça a marché. Ça marche le temps que ça marche, quoi. Waouh. Non, va falloir arrêter ça, mec. T'as vraiment besoin d'un brûlant, ouais, en plus là? Ah non, je crois qu'on va bientôt tomber à court. Ouais, je pense que arrête tes conneries en fait, parce que j'ai tout transformé en carburant solide et j'ai tout distribué, hein, il reste plus rien là. Donc arrête tes conneries, merci. on va éviter. Si t'as des plaques de fer renforcées. Alors non, ce que j'ai besoin pour réaliser ton rêve, le rêve d'un homme, j'ai besoin que tu me donnes rien du tout. Non, excuse-moi, c'est des gens en cours. C'est des gens en cours. Donc bah complète le jalon si tu peux compléter le jalon. Ah mais tu voulais des plaques, c'est pas ça que tu voulais toi? Ouais, j'ai besoin de tout, mec. J'ai besoin de tout, des plaques, des vis, des machins. Alors sinon après je peux te dire pour les tronçonneuses à la limite, parce que moi ma tronçonneuse du coup faudrait que je la fasse là vu ta consommation. Il me faudrait du câble, mais câble je peux en faire, il me faut 5 plaques renforcées et 25 tiges. Ah bah merci. Je crois qu'il te manque des plaques renforcées, non? Plaques renforcées, ouais. Ah, je te ramène ça. Je vais faire des câbles qui me manquent. Non, il y a les rotors qui se font. Ah oui, faut que je mette un conteneur derrière le rotor d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant de ça. Non, l'assembleuse va assembler, mais pour rien. Attends, je peux peut-être me faire mes plaques moi-même. Je peux me faire mes plaques moi-même avec ce que tu m'as donné. Ah bon? Je t'ai donné 100 plaques. Ah oui, bah oui, des plaques en français, je suis bête. Non. Ah, t'as fait la bêtise. Je vais peut-être devoir rajouter un brûleur de biomasse du coup. Ah, t'es pas sérieux, arrête. Ah, je te l'avais dit, hein. Sachant que moi, faut que j'extrais un peu de carburant. Bon, attends, pour le moment, je vais rien faire du tout, je vais attendre. Non, mais t'as pas... S'il faut que tu rajoutes, tu rajoutes, mais j'aimerais bien découvrir le charbon avant. On changera tout marrant, le bruit de la tronçonneuse, il a changé. Ah bon? Ou alors j'ai de la bouffaine. Oh, je peux tomber cet arbre. Ah, oh, ça dégage de... Oh, du catharium. J'avais pas vu. Un 90% de faire un rotor. Dommage. Ça, je vais un rotor. Les plaques de fer vont devenir un problème. La tronçonneuse a maintenant un bruit sourd. Alors je pense que c'est un bug. Je sais pas, je dis pas, je vais sur l'autre version, je sais pas trop. Bah en fait on n'entend pas beaucoup la tronçonneuse. Normalement quand tu la fais tourner t'entends plus rien en fait. Ah bah moi quand je jouais j'entendais rien. Je crois que je t'ai pas vu rajouter ton voleur. Je suis obligé. C'est une obligation. Ah, on a encore plein de carapaces. Ouais, bah on va éviter de les cramer parce que j'ai pas fait toute la recherche. Oui, mais. Maintenant, ce qu'il faut, je te rappelle, c'est énormément de fils de cuivre. Hein. Parce que j'ai pas tout oublié, mais il faut genre 4000 fils de cuivre, 5 ou 6000 fils de cuivre. Hein. Tu peux y aller. Hein. C'est pas que j'oublie, c'est que. C'est que ça produit quoi. Mais bon là j'ai plus rien de quoi produire. Oh, le lag. Le lag à la tronçonneuse c'est ouf. Il y a un lag à la tronçonneuse. Quoique. Ah non, le fil est trop long. Hein. Le fil est trop long, bordel. Il y a des poteaux partout. Tu l'as pas alimenté ce truc là? Partout. Vas-y, si, regarde. 1, 2, 3. Ouf. Tiens, ouf. Hop, je te l'alimente avec de la merde. Ça. Mais non. Non mais c'est pas grave, c'est juste le temps que je fasse des vrais trucs. C'est moi juste le temps de faire des vrais trucs. Mais je venais d'en mettre 12 vrais. Ah du
carburant solide? Oui. Mais t'as ça sur toi? Bah je venais d'en crafter, ça. Ah d'accord. Mais qui me dit pas hein. C'est pas grave, tant pis. Je vais se le crafter maintenant. Parti. Yes, je vais être obligé de ranger ça parce que j'ai plus de place. Je vais peut-être nous faire de la plaque de fer renforcée parce que je vois que ça arrive pas hein. Il y en a peut-être là-bas. Attends, tiens, je te pose ça. Je suis obligé avec ça. T'es un grand garçon, après tout. C'est quoi, après cet épisode, je vais voir s'il y a des gens disponibles pour faire un OGM. Ah bon mmh. Oh bah. Pourquoi pas. Tu vas voir, ça roule tout seul, comme je dis. Pourquoi pas. Alors, au passage, je le dis jamais pour la commu parce que j'avoue j'en ai rien à foutre, je suis un connard. Mais il y a un Discord, hein. J'ai un Discord. Wow, carburant. Pour ceux qui seraient intéressés, tout ça, je vois n'importe quoi. De toute façon, cette vidéo paraîtra dans un mois après sa pub, son enregistrement, comme d'habitude. Dirais-je bien gaming, mais j'aurais peur de vous saouler. Voilà. Alors, il faut savoir que cette phrase-là, c'est un redondant. C'est une vanne redondante du game. Voilà. Hop là. Alors. Avec le craft alternatif qui nous donne 3 retours, c'est quand même pas mal. Hein. Ah, c'est cool, hein. En sachant qu'on a déjà un alternatif pour la vis, c'est quand même beau. Oui. J'arrive. J'ai 67 plaques renforcées. Hein. Bien. Les piges de fer, c'est compliqué. Les plaques de fer, c'est compliqué. Oh, il nous faudrait tellement un truc pour nous transformer la biomasse là en carburant solide. Je te mets ça derrière le MAM. De quoi ? Te débrouille avec tout ce que je viens de te ramener là. Et tu nous poses quoi ? Mais t'as plus intérêt à me dire que t'en as pas assez. De quoi? Du cuivre. Du cuivre, carrément. Du cuivre. Oh, le décathlon. Oh, ça joue. New equipment unlocked. Voilà. Donc, ton rêve ne nécessite plus que je le transforme, quoi. Oh, ça coûte super cher. Ça coûte super ouais, cher. Ouais, je me doute, ouais. Cher. Juste pour voir. Ça coûte des 4 modulaires. En vrai, on a les 4 modulaires, 3 rotors à la con, 50 câbles, tu te fous de ma tête? Attends, c'est pas des câbles? Ah, c'est du fil actif! Bon, les fils actifs, je les ai. Et franchement, en vrai, tu trouves 3 rotors, ça se fait tout seul. J'ai de quoi les faire, les 3 rotors là? Faut juste des tiges. T'as pas un peu de fer qui traîne? Sinon, moi je mets du fer, hein. J'ai des tiges. Hein. Non, tiens. Hop là. Yes. Non, mais tu vas pouvoir en faire qu'un là, et en plus, t'as pas de 4 modulaires, si. T'as de quoi faire des 4 modulaires? Si, j'ai. Ah oui, mais en fait, il manque juste des tiges. Je pouvais les faire, les canons. Ah non, les rotors. Les rotors, combien? 3? Je vais aller en chercher. Tu me confirmes? 3, je crois. De quoi? Confirme-moi combien il en faut. 3, je crois, pour ton truc. Ouais, 3. Il en faut 3, là. Ouais, je te fais ça tout de suite. Non. Ah. Non, mais non, pas comme ça. Ah, pas comme ça, Zinedine. Ah, c'est parce qu'il manque de la... toi. Forcément, on lui a mis de la biomasse, je parie que personne lui a remis de la biomasse solide après. Youpi! Maintenant je peux. Regarde! Les grands sauts que je peux faire maintenant. Ouais, attends, je vais me faire 3 rotors aussi. Hein. C'est vachement important que je les ai pour rester planté devant l'établi à faire des ressources en boucle. Ah, mais tu cours beaucoup plus vite, hein? Oui, mais bon, moi je reste planté devant l'établi à rien faire donc. Si tu veux, ma par contre, est-ce que t'as de la biomasse sur toi? D'une certaine manière, oui, mais non, pas encore, pourquoi? Parce qu'il y en a une machine qui vient de crever là. Ah, où ça? Quelle? Ah oui, j'ai. Celle de droite là. J'ai. Tiens, 196, allez hop, ça redémarre. Parfait. Bon. Moi je fais du carburant solide en fait, c'est pour ça. Je pense pas les réalimenter, mais parce que je suis en train de faire du solide. Faut que je me lance sur la recherche suivante, mec. Recherche suivante parce que y a beaucoup de choses qui sont intéressantes.
Ouais, t'as du cuivre hein, derrière la main. Ça, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que t'aurais pas 50 plaques et 6 vis potentiels? Si, j'ai. J'ai 500 vis, c'est pas. C'est tellement haut. Bah, c'est derrière le MAM avec le cuivre. Derrière le MAM. Ouais, tu laisses toujours le cuivre là. Ah merde. Ça faisait tellement un poteau que je me suis dit, c'est normal qu'il soit là, tu vois. Il était tellement bien fait que... C'était normal qu'il était là en fait. Trop cher. J'ai pas assez de tiges. Il me manque 6 tiges. Ah. Et je suis fou l'inventaire, putain. Il faut que je fasse de la biomasse. Enfin, faut que je fasse du carburant solide, j'ai pas le choix. Ah, attends. Ça peut peut-être s'arranger pour les tiges. En fait, je me suis rempli en biomasse pour pouvoir te permettre de... d'avoir les générateurs qui sont alimentés. Et du coup, j'ai une pile de verdier, je t'en parle même pas quoi. En fait ouais, j'ai un inventaire, quand tu le regardes, ça t'a l'impression que c'est forêt, feuilles et arbres tradition quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça bouffe hein. Bah là, en fait, tu bouffes plus vite que je ne produis du biocarburant, il faut le savoir. Y'a que là, mon seul moyen de produire plus vite que tes machines, c'est d'arrêter de leur mettre du biocarburant solide. Parce que t'as trop de machines en fait. Non mais le biocarburant solide ça tient longtemps. Oui mais le problème c'est que c'est extrêmement long à produire. Oui ça c'est vrai. Genre mais on peut... regarde, je commence. Tu peux faire de la biomasse classique, voilà. Je la tape dans un container. Et puis après dans une assembleuse on fait de la biomasse. Mais le problème c'est que les conteneurs ils contiennent rien quoi. Et n'oublie pas qu'il nous faut masse plaque et masse tige pour finir cet épisode hein, qui est beaucoup trop long. Je cours là, regarde. Ouais. Vite, cours. Pourquoi tu cours pas plus vite? Mais bon, le problème c'est que voilà quoi. Je peux pas produire plus vite que. Enfin, si, je peux produire plus vite en fait. Je sais comment je vais produire plus vite. Allez, établi, vite. Tu sais ce qu'il devrait rajouter dans ce jeu, c'est la possibilité d'avoir un établi assisté. C'est-à-dire, tu construis à la main, mais deux fois plus vite. Voilà. Genre à deux sur un truc ou. Non, assisté, genre tu rajoutes des boîtiers d'IA ou n'importe quoi, ce qu'ils veulent. Mais genre là au lieu de fabriquer mes biocarburants à vitesse de 10, je les fabrique à vitesse de 5. Donc au lieu de prendre 10 secondes pour en fabriquer 4, j'en prends 5 secondes pour en fabriquer 4. Qui te réduit par 2 les temps de fabrication. Bah ouais là, mais c'est pour ça, que t'as les trucs paf ouais. J'ai pas un truc là. Est-ce que je peux boucler le truc des peintures là parce que ça me saoule en vrai. Il manque des plaques putain. Il manque des plaques. T'as pas quelques plaques, s'il te plaît. Alors non, vraiment pas. Je te jure, trouve-moi quelques plaques, quoi. Vraiment... Je suis un peu en train de me battre avec les plaques depuis tantôt. Non mais mec, en vrai, il me manque 30 plaques. T'as pas moyen de me trouver 30 plaques, s'il te plaît. Franchement, 30 plaques, ça se trouve. Fais pas genre. Bah non, en fait, parce que tout part dans les plaques renforcées, ou alors j'arrête les plaques renforcées et on aura... Trouve-moi 30 plaques. Je coupe les plaques renforcées. Trouve-moi 30 plaques, parce que là, j'en peux plus. Juste que je dégage les pétales de fleurs que j'ai sur moi et que je puisse les transformer en cartouches de peinture, j'en sais rien ou n'importe quoi, mais. Attends, ça dégage parce que là, si tu veux, j'ai 4 slots occupés par des feuilles, des fleurs quoi. Donc ça me saoule. Bon bah, il faudra attendre un peu pour les plaques. Alors, les tiges, il en manque 60. On est 42 ici. T'en manques 59 pour être précis, monsieur. Ouais. J'ai quand même que 42. Sinon je te mets mes plaques dans le jalon hein. Je vais te mettre mes plaques dans le jalon. C'est toi qui veux terminer l'épisode. Et je te mets les tiges dans le jalon. Voilà, je t'ai mis tout ce que j'avais. Les plaques il en manque. Du coup il te manque rien, il te manque 26... 15 tiges et il te manque 26 plaques. 15 tiges, 26 plaques, ça se fait mec. Oui ça arrive. 18. 9, 20, 21, 22. Allez. Et j'arrive. Termine le jalon. Faut vraiment qu'on arrive au charbon le plus vite possible, mec. Oui, je crois. Je crois que c'est vital. Ça serait nécessaire. Non, c'est pas nécessaire, c'est vital. Parce qu'en fait, si tu veux qu'on reste sur cette dynamique-là,
Il faudrait poser un stockage, un constructeur qui nous fait des biomasses, et un constructeur qui nous fait ensuite des biocarburants solides, pour ensuite aller dans un dernier conteneur. Ouais, voilà, sauf que vu qu'on est dans le désert et qu'on est limité, faut arrêter. Faut passer à autre chose comme technologie. Attends, c'était pour ça que je t'ai vu. Paf, paf. Par contre, j'ai tronçonné un arbre, mec, j'ai tellement de bois. Milestone reached. Improve. Joli. Eh, tu sais ce que ça veut dire? C'est charbon? Ça veut dire au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Et bisous YouTube. À la prochaine.